Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'émission Chita Tande Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quelques heures que vous branchez, on dit bienvenue sur le canal Information sans force côté à sociologue Anthony Barbier. Eh bien, monsieur mouri là, hier soir, à l'âge 74 l'année, en bas, une insuffisance respiratoire. D'après ça, PDG Radio Télé-Kiskeya, Marvel Dandin, lui-même, lui confirmé. Dans la presse journée samedi, Anthony Barbier, c'était Marie Liliane Pierre-Paul, qui est directrice programmation radio-télévision Kiskeya. Donc, Anthony Barbier, lui-même, il était fait partie opposition démocratique là. Donc, membre opposition plurielle là, dans le cadre d'une conférence pour la presse journée samedi, mais fait qu'on essaye un gros pet pays d'Haïti fait les. Disons, yo apprenne la mort Anthony Barbier, qui lui-même c'est un démocrate convaincu dans le cadre de lutte pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Donc, l'autre information, kidnappeur lui-même, yo toujours à pied d'œuvre, yo toujours à travail et sans relâche dans le pays d'Haïti. Pasteur Pierre Herbert et lui-même Alexis. Li toujours nan men kidnappé yo avec 6 fidèles yo, et bien lui-même yo te pran yo Delma 31 dans l'église El Chama avant hier soir. Donc kidnappé yo réclamé yon somme yon million dollars américains pour capable libérer otage yo. Directeur général AI la police là, Léon Charles, et bien monsieur dit li genyen gros tête chargée là devant volume insécurité a capable continuer et l'ouvri col dans pays d'Haïti. Donc li dit li reconnaître crise politique là dans pays d'Haïti rend travail la police là plus difficile. Léon Charles exige bon gens rendement dans main policiers dans cadre lutte contre question bandit dans pays d'Haïti pendant le mandat population lui-même pour yo et ben collaborer avec la police là dans cadre opération Silayo. Opposition plurielle là elle a annoncé gagner gros disposition qui prend là pour et ben dans cadre question manifestation il a lancé dans tout pays d'Haïti à partir journée dimanche 31 janvier demain, mais pour forcer chef l'État Jovenel Moïse remettre pouvoir 7 février 2021 qui c'est date mandat à arriver dans bout. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a invité à continuer à brancher, continuer à abonner au canal information sans force côté à de manière à ce que nous capable continuer à porter bon gens information frais clair pour le corps pour ou même qui abonnez déjà, quel que soit côté où y est dans le monde là, nous remercions. Et ou même qui poko abonné, nous invitons à faire ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privilège nous de façon automatique, comme ça, ou pas perdre en rien la question information qui a brassé dans le pays d'Haïti ou dans le pays étranger. J'en ai annoncé aux les amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, et bien gagné sociologue Anthony Barbier, lui-même est professeur dans l'université, c'est membre opposition démocratique là, et bien monsieur mouri hier soir à l'âge de 74 l'année en bas yon problème respiratoire. D'après ça, directeur général Radio Télévision Kiskeya Marvel Dandé lui-même l'a confirmé dans la presse journée samedi. De gagner membre opposition démocratique là, mais il dit c'est un gros pet pour pays d'Haïti parce que Anthony Barbier c'était un véritable combattant dans lutte pour démocratie dans pays d'Haïti. Donc Anthony Barbier lui-même faut que nous dire où c'était Marie Liliane Pierre-Paul qui est directrice programmation Radio Télévision Kiskeya qui lui-même tout c'est un gros combattant la question lutte pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Donc opposition démocratique là fait qu'on est eh bien Anthony Barbier c'était un homme vaillant garçon qui t'a bataille dans la question lutte pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Anthony Barbier c'était un gros combattant dans la lutte pour la démocratie. Donc dans le pays c'était
et donc membre fondateur secteur démocratique là dans le pays d'Haïti. Donc yo dit li parti trop bonnet. Donc d'après maître André Michel lui-même avec Nenel Kassi qui croit si un gros coup pays d'Haïti prend, ben les yo apprend Anthony Barbier même lui-même li mouri. Donc yo profiter occasion pour yo capable présenter sympathie au bail Liliane Pierre-Paul qui c'est madame et Anthony Barbier qui mouria. Et puis tout yo dit que Liliane Pierre-Paul mais c'est une femme vaillante, une femme qui est a bataille très longtemps dans lutte pour démocratie dans pays d'Haïti. Donc yo croit eh bien fort population continuer accompagner Liliane Pierre-Paul dans lutte que lui-même l'a mené dans pays d'Haïti pour démocratie capable de continuer triompher dans le pays. Donc nous invitons à écouter une après l'autre Nenel Kassi avec maître André Michel. Anthony, blé ou l'autre Haïti. Réinvestir dans ce sens. Toute carrière, tout le monde connaît, très jeune, le ministre qui a pensé à réformer l'État, mettre l'autre administration en place. Les militaires, pendant la période Boutin, Jean-Claude Duvalier, les batailles, toute période coup d'État, elle était toujours répondre présent dans tout rendez-vous, peuple, les rendez-vous pour changement. Puis près de nous là, c'est un monde, j'en ai habité Luc Soudin là, qui créait le secteur démocratique. Elle était toujours à demander nous, mettre tête ensemble. Chercher l'unité dans le temps. Et c'est ça que Felde a toujours dit, les citoyens, c'est l'unité toujours le dernier mot pour dire dans le temps. Ça veut dire pour nous, je dis à départ, Barbier, nous avons dit en pile. Nous pouvons accomplir vite ça. Nous connaissons une ville énorme, tant pour le secteur démocratique là, mais particulièrement pour Mme Liliane Pierre-Paul. Qu'elle connaît, qui sont femmes combattantes, qui sont engagées dans la cause pour la démocratie, dans la cause pour le respect de la loi, dans la cause pour le bien-être des peuples haïtiens. Donc aujourd'hui, Babi Allé, l'équipe de Liliane, nous menons. Et il faut nous prendre responsabilité pour accompagner Liliane. Parce que Liliane est inscrite dans la même bataille avec Babier. On met tout ça, Babier, pas de bien en faire. On accompagne Liliane pour le faire. Babier, sorti même côté avec mon ami. C'est des gens, à chaque occasion, besoin de conseils, qui m'ont conseil, parce qu'elle a en pile expérience, ils vivent en pile moment, ils ont une histoire politique pays très bien, ils sont toujours là pour orienter nous. Si nous voyons que a fait un pile succès, Babier, c'est un monde qui a la base de succès. Ça nous souhaiter que Babier, bah nous énergie, il bah nous force. Les bandes détermination, les bandes toute expérience pour nous achever la bataille pour bien-être des Parisiens. Jean-Pierre Zambimbel, déjà, nous saluer la mémoire du professeur Barbier, le départ prématuré d'un démocrate convaincu. Barbier, c'est dirigeant, c'est même fondateur du secteur démocratique. Août 2017, avec le professeur Barbier, avec Axel Joseph, on a rédigé le document de base qui a fondé le secteur démocratique et populaire à la main. Son gros coup pour le pays, son gros coup pour le secteur démocratique là, son gros coup pour Famini, Yann Pierre-Paul, son gros coup pour le peuple haïtien en général. Mais, même levé matin, nous sommes dubitatifs. Nous avons dit est-ce qu'il faut nous faire conférence de presse quand même, ou est-ce qu'il faut nous pas faire. Mais nous finissons faire consultation, nous disons attention, guidé par l'esprit de combativité et de ténacité du professeur Barbier, nous obligés, nous pas le choix de continuer la bataille là. Et c'est ça que toute activité politique, opposition, rien. N'importe où prince tant que dans la province, nous ne pouvons pas retirer rien à calendrier. Donc une conférence de presse matin a fait,
après-midi a gagné un proposition de sortie de crise consensuelle qui supposait signer et présenter à la presse. Demain, tout bagage supposé passer bien dans tout le pays comme journée de mobilisation, nous qui avons activité. L'autre information qui a rapport avec insécurité, kidnapping dans le pays d'Haïti, kidnappés eux-mêmes, ils pas chômé, ils continuent à travailler sans prendre souffle, Pasteur Pierre, Herbert, Alexis, avec six fidèles liés, mais toujours dans les bandits qui eux-mêmes été kidnappés avant hier soir dans l'église évangélique El Chama dans Delma 31. Donc, bandits ont réclamé une somme, $1 million américains pour être capable de libérer otages. Il faut que nous disions que nous avons un gros levé campé dans Delma 31, jeudi vendredi, pour être capable de réclamer libération, pasteur, avec toute fidélité. Dans le cadre de ça, il y a un directeur général AI, police nationale d'Haïti, Léon Charles, mais il dit qu'il y a une grosse tête chargée devant volume, zak insécurité, zak kidnapping, zak bandit qui a continué fait dans le pays d'Haïti. Donc, il a demandé la population. D'abord, Léon Charles dit qu'il reconnaît la politique là lui-même, il a des conséquences sur eh bien travail la police là dans le pays d'Haïti qui rend travail la police là vient plus difficile d'après ça directeur général AI la police là fait qu'on est Léon Charles lui exiger bon genre résultat dans main policiers dans cadre lit cap mener opération cap mener compte bandits un peu partout dans le pays d'Haïti d'après ça il dit pendant le mandat concours population haïtienne là nous invite à écouter Léon Charles qui est directeur général AI police nationale d'Haïti. Qui police nous voulons pour Haïti? Je ne veux dire, la police a trouvé dans un chemin gêné. Côté quelqu'un a fourni, gardé, sans faire rien, pour gang qui sorti pour prendre pays. Nous avons un moment difficile, côté chirépite politique là, pas favoriser le travail de la police là. Pour ça, la police là, toute société a vécu des gros épreuves à cause alimentation gang de exam et utilisation que vous faites avec contre citoyens. Des familles qui sont là là-bas, nos pays rançons, il y a pile l'autre qui traumatise. La police a compris et partagé douleur les familles. Le travail est plus efficace si le crime n'est pas en pile comme ça. Il est plus facile si la société nous est plus moderne. Mais là, le crime n'est sorti pour le vin général alors que l'État doué exceptionnel. Mais si ça ne s'est pas qu'à craser la détermination de la police, là, sous commandement pas moi. C'est pour ça que nous exigeons de troupes et de voir le résultat. Le résultat, nous avons cherché et différentes opérations nous menées. Et nous continuons à mener, montrer détermination pour nous arriver sur tout groupe gang qui sortit pour prendre pays en otage. C'est une obligation envers tête nous, c'est une obligation envers pays nous, envers famille nous, envers société a, et c'est une obligation pour nous, la police. La police a déterminé pour moyen tout le monde qui campe en face de la loi. C'est ça que nous avons fait depuis des mois. C'est ça que nous continuons à faire parce que la loi a parti sain dans la société a. C'est peut-être ça, nous avons demandé une autre fois encore à toute population pour nous porter coller à la police pour nous cablayer pour la sécurité. Concernant l'appel, chef la police là, lui-même, lui lancé, Léon Charles, lui voyait bail population haïtienne pour demander aider arrêter bandio, sénateur Nenel Kassi, dit, mais lui prend acte des déclarations ça, DG. PNH là, Léon Charles fait, donc il dit, il paraît montrer volonté pour arrêter le chef gangio. Mais il dit, même si c'est l'ordre, eh bien, Léon Charles t'a recevoir dans main étranger pour le faire ça. Nenel Kassi déplore le fait que, mais c'est touillé, eh bien, il dit, pouvoir lui-même la touiller chef gangio. Au lieu d'être arrêté ou traîné devant la justice, mais pour Zach bandit, Zach criminel, il a fait sous population haïtienne. Nous invitons à écouter Nenel Kassi. Nous croyons que la bataille a démarré demain si vous voulez, et nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas prendre l'intimidation, pas prendre la pression. Et mardi, vous me finissez. Léon Charles, pour craser en pile manifestation pour nous. Vous faites tirer sur un pile militant. Nous tendons nos discours. Vous dites que blanc, avec tout le monde, bon engagement. Parce que nous ne pouvons pas parler sans blanc, pas d'où à parler. Vous dites bon engagement pour arrêter tout chef gang. Et nous avons toujours dit chef gang. Nous
Nous t'ai dit les bras marrés, je venais la vidéo. Amen. Léon Charles, n'attend. Nous pas prendre promesse. C'est temps d'apprendre. Parce que nous t'ai parlé, cher comme nous. Nous dit, pas goûter à peuple là. Côté au sorti, pas goûter avec vous. Pas fait travail sale pour Jovenel. Mais je dis à Jovenel commence à manger. Alors que nous-mêmes, nous te disons, c'est déposer les âmes, faire une insertion sociale, arrêter les gens qui ont un problème avec la justice. Mais Jovenel lui-même l'a tué, l'a arrêté, l'a éliminé. Il a compris la nécessité pour quitter le peuple à manifester dans le jour qu'il vient là, pour quitter le peuple à exprimer. Parce que c'est nécessaire. Concernant gros manifestation, eh bien opposition plurielle la prévoit qu'a démarrer demain dimanche là dans tout pays d'Haïti à partir pour arriver en date 7 février 2021, dans objectif pour yo joindre départ chef l'État sous pouvoir. Opposition dit li déjà prend un paquet de dispositions sous plan national ou international pour une série d'organisations droit moun et une série de personnalités avec journalistes internationaux vin founi gade comment pouvoir a violer droit moun dans dernière phase bataille contre chef l'État lui-même qui gagne mandat qui a fini dans date 7 février 2021. Nous invitons à écouter maître André Michel. Demain dimanche 31 janvier 2021, c'est une journée de mobilisation nationale. Le peuple a descendu dans la rue massivement. Massivement. Dans Port-au-Prince, dans les villes provinciaux, dans tout département géographique du pays, pour dire que vous voulez une transition de rupture. Pour dire fort article 134-2 constitution respecté. Et demain, le peuple va pas vite dans la rue. Parce que d'ici après-midi, la proposition finale consensuelle de sortie de crise là, la présentée par les nations. C'est déjà un pas important, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et dans Port-au-Prince, nous tous connaissons la direction, nous, Jean-Mars, l'Assemblée Cafou Aéroport, Monté-Delma, Pétionville, Descend-Boudon et descend devant Palais National pour nous faire revendication. Passé. Jovenel Moïse doit respecter l'article 134-2 de la Constitution. Faut gagner un gouvernement de transition qui prend Mayette là le plus vite possible, au plus tard, le 7 février 2021. Et moi, remercie un série de groupes Petro Challenger, notamment nous conscients, qui ont même dit, même si la police crasée, toute mobilisation nous fait dans votre presse, mais nous conscients, qui sont groupes Petro Challenger, qui membre comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, yo même depuis 28 janvier 2021, yo écrit la police pour dire la police apte manifestation à compte de Pétionville, et moi espérer cette fois-ci la police a pris responsabilité. L'autre disposition nous prend, nous déjà écrit en pile monde. Nous écrit Nancy Pelosi qui c'est congressman et président Contreras. Nous écrit Michelle Bachelet, qui est responsable des droits humains des Nations Unies, ancien président du Chili. Nous écrit POHDH, nous écrit RNDDH, nous écrit Justice et Paix, nous écrit Religion pour la Paix, nous écrit le Parlement européen, nous écrit NERO, que José Renault a dirigé, et on va nous garantir à partir de demain. Après pile observateur qui est déjà présent dans Port-au-Prince, tant que dans le reste de ville provinciaux, poursuivre déroulement, dernière phase, mobilisation citoyenne pour respect constitution. Nous écrit tout le monde, et il y a des observateurs qui sont en train d'avion qui rentrent en Haïti, et un cap continue de rentrer demain, et un cap vini lundi, et il y a des journalistes étrangers qui rentrent en Haïti, il y a là-dedans qui affilié avec des réseaux d'observation internationaux. Ça veut dire à partir de demain, population part dans la rue pour all, population a bien des observateurs internationaux, haïtiens tant qu'étrangers, cap là, cap suivre, déroulement, dernière phase, mobilisation pour respect constitution. Moi, espérer
l'esprit ancêtre nous a pas accompagné nous. Moi espérer l'esprit Anthony Barbier a pas accompagné nous dans dernière phase bataille mobilisation pour respect constitution. Demain mobilisation a démarré grand matin. Pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Et nous dit 1er février, 2 février, opposition politique là, opposition politique là, a supporté carré-barré grève, secteur syndical là, lancé dans tout le pays pour faire respecter la constitution. Yon l'autre membre comité mobilisation lui-même fait connait et ben li pat facile du tout pour être capable accoucher ensemble un accord qui reflétait mais toute opposition plurielle là mais pour être capable présenter dans quelques temps encore et ben un document unique proposition pour capable remplacer président Jovenel Moïse sous pouvoir dans date 7 février 2021. Nous invitons au côté. En pile discussion, en pile jour, en pile semaine, en pile mois passé, mais nous arrivons hier jusqu'à 8h du soir, nous joignons accord. Jean, c'est la tenue de là, nous joignons entente pour que nous joignions qui formule. Avec une commission qui a pris le CNT, qui a choisi le président, qui pour choisir le premier ministre et qui pour remplacer Jovenel Moïse. Nous n'avons pas besoin de comprendre à partir de toute expérience. Si le peuple haïtien, malgré divergence d'opinion, malgré divergence idéologique, il arrive à mettre les têtes ensemble sur un seul texte. Pour sortir de crise, et bien peuple haïtien, victoire li possible. Travail là, li nan men nou. Si esclaves qui pas tenir li en pile là dedans, qui pas parler même langue, qui arrive à former créole comme outil pour sortir de l'esclavage, et bien nous même peuple haïtien, nous arrivons à gagner un outil de mobilisation qui c'est document unique ça pour nous continuer la bataille là. À partir de demain, nous prenons pas la rue. Avec document ça, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même Jean-Pierre Israël qui fait 7 tours de Jéricho pour m'y en écraser, nous prenons camper pendant 1 jusqu'à 7 pour que Jovenel tombe. Soubopal gagné Dominique Saint-Éloi lui-même qui représentait secteur ouvrier dans le pays d'Haïti, secteur syndical là, il fait connait pas gagné aucun secteur dans le pays d'Haïti qui épanier en bas à insécurité à zak kidnapping et qui blaye col dans le pays d'Haïti. Dans sens ça, Dominique Saint-Éloi mandé tout secteur, surtout secteur transport dans tout pays d'Haïti pour capable chita la caillou dans occasion de journée grève avertissement collectif syndical eux-mêmes yo lancé pour 1er à 2 février qu'a venir là pour forcer chef l'état respecter droit peuple haïtien à tout pour courir les chalbarés de insécurité exact kidnapping dans pays d'Haïti. Nous invitons au côté Dominique Saint-Éloi. Quel que soit côté où il est, nous t'aimer nous t'en des messages ça clair, nous mander le premier avec 2 février 2021 pour nous chita la caille nous dans objectif pour nous capable porter coller dans objectif pour nous rendre respect constitution avec contre kidnapping et nous voulons lancer message ça clair le premier avec 2 février 2021 yon moun qui mettait pio dans la ria ça veut dire accepter avec kidnapping ou accepter le kidnapper élève l'école ou accepter la kidnapper professeur l'école ou accepter la kidnapper des machines bis qui sorti dans nord ou bien dans sud avec tout monde là dedans ou accepter les régimes criminels PHTK à faire répression d'état sous militants yo. Je dis à respect constitution li gen pour avec respect droit nous dans article 28 29 30 constitution qui ban nous tout droit. Même si 10 personnes sont capables de réunir en bas de pied bois, la police est pour devoir sécuriser nous. Nous aujourd'hui pour voir le régime criminel là. Ils ont passé la constitution pays en bas de pied. Ils ont foulé
en papier. Et c'est peut-être ça, nous même à travers le collectif des syndicats haïtiens, pour le respect de la constitution haïtienne, non, nous avons demandé avec tout le peuple haïtien, peuple nord, peuple sud, quel que soit côté, porter coller. Et nous demandons avec le secteur de l'opposition, le secteur politique, qui est sous table là ensemble avec nous. Vin pour te coller dans des journées de grève ça. Grève ça, ce n'est pas grève syndicat, mais c'est grève peuple haïtien. C'est grève tout secteur. Parce que c'est pour respect droit nous. Parce que c'est contre kidnapping. C'est contre insécurité. Insécurité, nous connaissons nos problèmes psychologiques. Nous faisons nous malades. Nous faisons nous la sortie, nous paniquer. Nous demandons nous, vin pour te coller, pressé, les premiers avec des haies. Si toutefois ça nous demande, pas accompli, yo pas respecté, grève là la illimité pour jusqu'à ce que nous jouions bout de régime PHTK. N'a fait un coup de pied dans le pays étranger qui a mené direct dans le pays Kiba. Il y a 6 personnes qui mourent ailleurs dans un accident hélicoptère militaire qui fait dans une province Guantanamo qui chita dans la partie S Zile Kiba. D'après ça, ministère force l'armée pays Kiba lui-même li fait connaître dans la presse. Président russe Vladimir Poutine publié hier une loi qui prolongeait pour 5 années encore validité traité START là sous question réduction armes et stratégique dans cadre accord li gagné avec pays États-Unis d'Amérique. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper à édition information ça, c'était Zami frère met info qui t'a observé, on a cassé rendez-vous demain, même là même chaîne là, si papa bon Dieu content. À bientôt.